ici Adeline. Aujourd'hui, on vous retrouve car on va visiter le Melting Pom. On s'en va. Les gens, on sort du Melting Pom. C'est le café le plus loin qu'on ait fait jusque maintenant. On a fait pratiquement une heure de trajet. On reste toujours dans Séoul, hein, mais c'est vraiment le plus loin de chez nous jusque maintenant. Mais franchement, on voulait absolument venir dans ce café parce que, comme vous avez pu le voir sur les images, on boit sur des lits. Déjà, rien que pour ça, déjà, on avait trop envie. Bien. Et en plus, il y a les petits chiens. Donc, en temps normal, il y a deux petits chiens. Ici, aujourd'hui, il y en avait un, mais il était trop adorable. Franchement, ce café, il est bien pour deux choses, pour les lits et pour le chien. Donc voilà, c'est un petit peu loin, mais franchement, ça vaut la peine parce que ça vaut la peine. Voilà. Au niveau de la décoration, ben, c'est dans les tons roses, voilà, rose et blanc. Il y a, ben, comme on vous l'a dit, des lits où vous pouvez manger dessus. Mais il y a aussi des fauteuils. Ouais, ce genre de fauteuils. Comme ça, pour manger
bah, par terre, enfin sur une petite table, même le sol par terre. Et il y a en fait des jeux de société à disposition. Mm. Si vous voulez faire une petite partie, bah il y a je sais pas, c'est quoi, Pic-Pirate, pas de Pic-Pirate, pas encore, pas de Pirate, comme on dit. Il y a des Rumi-Cube, il y a des jeux de société, il y a d'autres jeux de société en coréen et tout ça. Et alors il y a aussi une borne pour faire des jeux d'arcade, donc voilà, c'est vraiment très très chouette. Ouais. Le café se situe donc au sous-sol en fait, mais c'est quand même très très bien éclairé, donc pas de souci de luminosité. Au niveau de notre commande, eh bien, je suis un petit peu dégoûtée, mais ça c'est de ma faute à moi. C'est parce qu'en fait, quand j'ai passé commande, il y a deux menus. Donc il y a un menu sur le mur, et en fait il y a un menu photo en face, il y a un menu photo en fait sur une tablette sur le comptoir. Seulement j'avais pas vu ce menu là, et c'est le menu où il y avait toutes les boissons intéressantes, fun, avec des décorations et tout ça. Donc moi j'ai juste vu le premier menu donc qui était sur le mur, et j'ai commandé un yujacha. Donc c'est un thé au yuja. Donc le yuja c'est le citron coréen. Franchement j'ai déjà bu cette boisson ailleurs, mais là il était vraiment très très bon. Donc voilà, petite déception parce que j'aurais aimé avoir une boisson un peu plus fantasy, un truc plus fun et tout, mais j'ai un petit peu mal à la gorge ces temps-ci, donc c'est pas plus mal que j'ai pris une boisson chaude. Donc voilà. Et après au niveau de la nourriture, il y avait plusieurs trucs sur le menu, mais ils étaient plus disponibles pour le moment, donc on sait pas si c'est spécialement aujourd'hui ou quoi que ce soit. Mais bon, il n'y avait plus rien de disponible à part des macarons. J'ai pris un macaron Red Velvet et il était énorme, franchement. Le macaron c'était dingue, il a fallu d'habitude un macaron ça se mange en une ou deux bouchées, là il m'a fallu quelques bouchées quand même avant de finir. Et il était super bien parce que il y avait de la crème au milieu et elle était énorme, il y avait vraiment ça de crème. J'ai cru que j'allais ça allait être récurrent, mais pas du tout, c'est passé nickel. Personnellement j'ai pris pom pom latte, donc en fait c'était un café latte avec sur le dessus de la crème fraîche et des chamallows qui formaient une licorne. Donc voilà, il y avait genre les deux petites oreilles de licorne et la corne, et c'était trop trop beau. Bon après ça, voilà, c'était simplement un café latte, mais la décoration était vraiment super bonne, j'ai trop aimé. Et au niveau du dessert, j'ai pris un cookie chijeu. Ça chijeu. Chijeu. Et c'était un macaron en fait aux oreos et au fromage de cheesecake, et il était trop trop bon et très très gros, donc c'était très bien. Mais il était vraiment bon, la sensation des deux était vraiment parfaite. C'est original en plus, je veux dire, non, Oreo fromage. Au niveau de la popularité, eh bien honnêtement on s'est pas vraiment jugé, parce que comme d'habitude nous on est venu à l'ouverture, il y avait que nous, après il y a un couple qui arrivait par la suite, mais voilà c'est tout. On est quand même dans un quartier universitaire, je crois qu'aux alentours il y a minimum 3 universités, donc il doit y avoir pas mal de gens. Il n'y a pas énormément de place, donc il y a 4 lits et quelques sièges sur le sol. Donc voilà, après l'espace est très très grand, donc pour le chien ça c'est vraiment cool. C'est très grand, mais il n'y a pas énormément de place. Au niveau des prix, bon, c'est au niveau des boissons, c'est assez raisonnable. Voilà, c'est entre 5500 et 6500. Et vous pouvez avoir des boissons soit ordinaires, soit un peu spécial. Du coup, voilà. Au niveau des desserts, ben, c'était des macarons et c'était un peu cher. C'était combien, 3800 ? 3500 ? Je sais plus. Un petit peu plus de 3000 en fait, 3000 won. Donc voilà, clairement c'était un peu cher, parce que comparé à d'habitude, c'est pas d'habitude, c'est 2000, 2000. Oh, yeah. C'est un parking. Oh non, camion maintenant. Qu'est-ce qui se passe? On s'est plus filmé, il y a trop de véhicules. Au niveau des macarons, c'était un peu cher, parce que ce type de macaron, on le trouve autre part à 2600 won, et ici il était à un peu plus de 3000. Donc voilà, mais c'était des goûts assez originaux qu'on ne voit pas d'habitude, donc ça va. Ouais, t'as eu Oreo, fromage. Ouais. Il y avait un truc, c'était tout fromage. Donc, à mon avis, il y avait différentes sortes de fromages. Il y avait quelques goûts comme ça, assez sympa. Si vous voulez retrouver toutes les photos, toutes les infos et l'adresse de ce chouette café, on vous met le lien en barre d'infos. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le nouveau café. Et comme on dit chez nous, gros bêche! Tous les jours, nous sommes.
fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.